Ok les potes, nouvelle boutique, n'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner. Je suis vraiment en retard pour la boutique car je ne pouvais pas la faire hier, enfin du coup dans la soirée, bref vous avez compris. Du coup on va la faire maintenant avec du coup le partenariat de normalement Pac-Man. Alors merde, j'ai du mal, je vais pas encore jouer aujourd'hui, il est vraiment tard en plus. Du coup on a la petite danse. En vrai j'aime bien le jeu vidéo déjà donc ouais. Après je sais pas pourquoi ils l'ont mis là-haut. Mais ok. Pourquoi pas les gars. Bon la danse elle me plaît bien. Donc la danse je prends. Jusque là on est bon. Ok. On a la main sac à dos. Alors sac à dos on a plusieurs customs. On a celle-ci, 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 celle-ci et celle-ci. Dommage qu'il n'a pas en vert. J'aurais bien voulu voir en vert. Je sais pas s'il y avait des verts. Pac-Man c'est beaucoup plus vieux que moi donc je sais pas s'il y avait des verts. Mais j'aurais bien voulu. Je sais pas si je prends sac à dos, ça coûte quand même cher, 500 bucks. Moi je sais même pas si je le mettrai souvent en plus. Je sais pas si je le prends ou pas le sac à dos. On verra ça. Peut-être que je serai de la vie d'ici là. Alors ensuite on a quoi? Le retour de skin Lynx 2.0. Je l'appelle comme ça ce skin. À 1500 avec sa petite pioche pour 800. Ensuite on a également le retour de skin. Bon celui-là on connaît bien hein, le pack de galaxie. Donc vous avez du coup 2000 e-bucks le skin, 1200 e-bucks les pioches, 800 e-bucks le planeur et 500 pour du coup le revêtement. Jusqu'à les gars on connaît plutôt bien. Ok, on a le retour du as du volant, 800 e-bucks. Nous avons le scorpion, 800 e-bucks. La danse, pousse folie pour 500 e-bucks. L'événement approche à grands pas d'ailleurs. C'est du gâteau. La donne de fin, j'ai quoi ce truc là. Même si ça ressemble pas tellement à un gâteau, mais enfin, bref, vous avez compris. 300 V-Bucks, on a du coup quoi pour danser. Elle était rare pendant une période. Et maintenant, il la ressort tous les 4 matins. Mais elle était rare, elle est sortie vers février, je crois, ou mars, je sais plus. Et du coup, bah après, elle est plus trop rare maintenant. À vos marques, prêt, partez pour 200 V-Bucks. Et nous avons toujours disponible le petit pack Chevalier Omega. Je vous rappelle qu'il est disponible juste à demain. Donc normalement, vers le jour de l'événement, c'est possible qu'il soit plus en boutique. Normalement, c'était juste au 3 juin. Puisque là-bas, la saison de venir le 3 juin de base. Et puis, ils ont décalé d'une journée par rapport au 4, l'événement, et le 5, la nouvelle saison. Donc peut-être que demain, il sera plus en boutique. Donc si vous voulez encore le prendre, les gars, vous avez 24 heures encore. Toujours disponible le skin Obi-Wan. Je sais pas si je vais le prendre ou non. En soi, ce soir, normalement, on est censé avoir des skins en boutique dans quelques heures. Du coup, pour vous, ce sera dans quelques heures par rapport à la vidéo où je posterai là, sur ma chaîne. Et on a également toujours disponible ça, ça. Bon, là, le reste. Ah, les skins Bambi. Les skins bannières, voilà, je suis fatigué, ouais. Je suis pas encore bien réveillé, les gars. Bon, moi, j'avais déjà le skin 1 de skin féminin. Donc, le pack, moi, il coûte 1200, mais vous, il est un petit peu plus, je crois. Peut-être 1800, peut-être environ. À peu près. Peut-être même 1600, je sais plus. Parce que j'ai déjà un skin à chaque fois. Chaque pack que j'ai acheté longtemps. Également les bannières en version cap, revêtement, bouclier c'est mon préféré, petite collette, ça on me l'avait offert celle-là, il me semble, niveau attaché drapeau, et le planeur aussi on me l'avait offert, parce que en vrai j'avais déjà une bonne partie des trucs, donc voilà. Ensuite on a également tout seul, tous les skins sont à 800 V-Bucks, le revêtement etc, donc vous avez 400 V-Bucks, 400 V-Bucks, 500, 500 et 500, et puis 500, voilà. Le petit pack agent double. Disponible avec leur pioche et le clone de Fortnite qui a changé d'image. Je vous rappelle que vous avez le pass de combat à l'intérieur avec le skin et du coup les V-Bucks. Du coup, moi je les ai reçus aujourd'hui pour ma part parce que tous les mois à partir du 2 juillet, j'aurai les prochains V-Bucks de la saison, etc. etc. Vous par exemple, moi c'est marqué le 2 juillet parce que la première fois que j'ai pris c'était le 2 décembre pendant la période de la saison 5, chapitre 2. La première fois qui était arrivé le clone de Fortnite. Pour vous, peut-être que vous l'avez peut-être pris le 10, le 14, etc. Tout dépend de la date que vous avez pris dans le mois, la première fois du code de Fortnite. Du coup, ce serait marqué un autre chiffre ici que moi, c'est marqué le 2, parce que j'avais pris la première fois le 2. Voilà. Sur ce, les petits potes, moi je vous dis à ce soir pour la prochaine boutique. N'oubliez pas, petit pouce bleu, vous abonner. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez très très hâte d'arriver à l'événement? Moi, perso, oui. Sur ce, à demain. Ciao, bye.